Blackstone, c'est vraiment l'afterwork, c'est-à-dire que tu fais hop la petite passation et tu passes après le boulot avec les collègues et tout, et tu viens passer un bon moment. Ce que j'aimais ici déjà, c'est la terrasse, le patio, on est tranquille, ça a permis de se retrouver un petit peu au calme si t'as envie de discuter tranquillement. Et puis à la fois, à l'intérieur, si t'as envie d'écouter de la musique, il y a les télés, il y a des retransmissions au niveau des matchs de foot, etc. Tu trouves toujours ton bonheur, quoi. C'est familial, c'est convivial, on mange bien, on boit bien. Let me be your lover boy, love it down, 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 love it down. Quand il y a les matchs, il y a très bonne ambiance. Quand il y a des concerts, c'est très bonne ambiance. Quand il n'y a rien, c'est très bonne ambiance aussi. Blackstone, c'est un des lieux que je trouve le plus vivant de Marseille. Ce que j'aime bien, c'est la scène ouverte aussi, qui accueille des jeunes talents. C'est assez atypique. Et en même temps, on trouve pas ça partout à Marseille. C'est vrai qu'il n'y a pas de barrière, quoi, en fait, même entre les serveurs et les clients. Non, le fait qu'il y ait de la musique, tout ça, je trouve ça vraiment sympa. Voilà, ça crée une convivialité en fait, entre les gens. Je viens quand j'ai un peu de temps et que j'ai envie de passer un moment dans un endroit agréable, convivial. On est bien reçu. On peut manger à toute heure, on peut boire un coup.